Trop brun, grand, trop lourd, sophistiqué. Les anciens meubles n'ont plus les côtes. Une baisse de la demande qui entraîne donc une baisse des prix. Point peut maintenant espérer équiper tous vos logements pour quelques dizaines d'euros. Ces meubles mal aimés sont généralement vendus au prix du bois qui les compose, ou moins. Ce désintérêt ancien meuble représente une bonne affaire pour acheteurs, mais un chagrin concessionnaires anciens et concessionnaires d'occasion. Les gens ont besoin d'avoir les que le voisin a, c'est-à-dire des meubles qui n'ont plus vraiment une âme. Sont des deux kits, déplore Richard Thibault, vendeur au Happy Store Schenporter. Une observation partagée par Elie Schumacher, concessionnaire antique Liège qui, aujourd'hui, n'offre plus un meuble dans sa boutique. Maintenant, les gens vont beaucoup d'IKEA. Certains s'ils trouvent encore grâce aux yeux acheteurs modernes des meubles vintage ou meubles personnalisés, poncés, peintes et mis à jour.